Je m'appelle Agnès Turnoer et je savais que je ferais de la peinture toute ma vie. Étant autodidacte en peinture, ce dont j'ai reçu l'empreinte, c'est plus tous les artistes que j'ai vus dans les musées quand j'ai commencé à aller dans les musées à mon adolescence. Pour moi, ce n'était pas des figures tutélaires, ces êtres avec qui je suis entrée en conversation, c'était des interlocuteurs en fait. Mon rapport à l'histoire de l'art, ce n'est pas un rapport de citation, c'est vraiment un rapport d'imprégnation. J'ai travaillé pas mal avec la figure de Victorine Meurent, qui est récurrente dans la peinture de Manet. Pour moi, elle incarne la peinture, donc ce n'est pas seulement cette figure chez Manet que je viens intégrer dans mes tableaux, c'est cette figure de la peinture qui nous regarde, que je déplace en fait de la peinture de Manet à ma peinture. Je suis en train de faire une série sur la question de la migration, qui est une question éternelle mais très contemporaine. Et il y a un tableau de Giotto, Giotto est un peintre très important pour moi, qui est venu tout d'un coup dire « il faut que je sois là-dedans parce que ce tableau, il parle de ça aussi ». L'histoire de l'art, c'est de la géographie, comme une espèce de territoire dans lequel sont plantées toutes ces œuvres, ces artistes, ces époques. Mais pour moi, elles sont là maintenant.